Si vous aimez les cartes, si vous aimez les oracles et les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Je vous propose également une guidance intemporelle pour les béliers, une guidance avec trois tas. Vous choisissez votre tas et vous aurez votre guidance. Rien ne vous empêche de regarder les deux, voire les trois. Peut-être que vous auriez d'autres messages sur les autres guidances. La première sera avec l'ancien tarot de Marseille, la seconde avec le tarot spirituel des chats et la troisième avec le tarot mystique. Je vous dirai au fur et à mesure les autres oracles que j'utilise donc dans cette guidance. On commence donc pour vous les béliers, une guidance intemporelle. Donc pour les béliers, guidance intemporelle pour les béliers. Nous allons donc commencer la guidance avec la coupe ici, donc qui est 4 de coupe et la carte de l'étoile. Le 4 de coupe, comme vous le savez, c'est une carte qui va donc vous parler d'un état de contemplation, peut-être parfois d'ennui. Vous savez, souvent, il peut être représenté comme quelqu'un qui regarde trois coupes renversées, dont une debout. C'est quelqu'un qui regarde ça et qui sait pas quoi faire, qui s'ennuie, qui est peut-être un petit peu dans un état insatisfait ou un état apathique. Quoi qu'il en soit, ce 4 de coupe indique pourtant qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, puisqu'on parle avec ce 4 de coupe de stabilité. Alors, on va vous dire ici de regarder actuellement ce que vous avez, ce qu'il y a, de bien ouvrir les yeux pour voir ce qu'il y a autour de vous et de voir effectivement des possibilités qui viennent à vous. La carte de l'étoile, en plus, vient encore plus confirmer ce que je viens de vous dire parce que elle va vous parler d'espoir. C'est comme une graine que l'on a plantée, on a fait des choses auparavant et peut-être aujourd'hui, il est l'heure de voir en fait la graine se développer. Donc, elle va vous parler d'optimisme, elle va vous parler également ici de guide. On vient vous parler de guérison et on va dire que vous allez vous remettre adéquat avec votre façon de penser, votre façon d'être et très probablement que vous irez même vers vos rêves, que vous irez même à réaliser vos rêves. Ici, donc cette étoile vous engage vraiment à rester positif et à croire en vous, à avoir confiance en vous. Et même si vous avez vécu des moments difficiles. Les béliers, on sait très bien que vous êtes un signe dans l'action. Vous foncez, vous réfléchissez après. Donc là, on va vous dire de réfléchir, de vous poser pour vraiment, en fait, aller vers vos espérances, vers vos rêves. On dit de croire en vous ici. Alors, si on rentre dans la guidance maintenant, on va voir ce qu'elle a donc à vous signifier, à vous proposer, à vous conseiller, je ne sais pas. On va commencer ici, donc du coup, avec la reine de denier. Comme vous le savez, cette reine, eh bien, va bien parler donc de clarté mentale. Elle vient parler d'indépendance, elle vient parler de vérité. C'est une reine qui est extrêmement intelligente ici et c'est une reine qui peut être intransigeante, comme j'allais le dire juste maintenant. Cette reine vient ici indiquer également que vous n'allez pas vous laisser dépasser par des émotions mauvaises. C'est une reine qui maîtrise, elle est très très intelligente comme je vous disais. Et par contre, elle va vous dire également qu'il va falloir être droit dans vos bottes, être en accord avec vous-même et il va falloir également faire preuve de discernement, prendre des décisions et certainement pas à la légère. Cette carte de la mort à côté vient donc vous parler de transformation. Elle vient vous parler d'un nouveau cycle. C'est une carte qui fait peur et pourtant moi je l'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait elle vient dire ici qu'il y a comme une prise de conscience, qu'il est l'heure de se relever. Parce que si on continue dans un état qui ne convient pas, on pourrait même tomber malade. Donc on a l'impression aussi qu'il y a une prise de conscience, la fin d'un cycle, qu'il y a un renouveau. Alors évidemment, elle ne vient pas indiquer la mort physique de quelqu'un, bien entendu. Elle vient donc juste vous dire que vous allez vers une nouvelle situation, vers vraiment de nouvelles opportunités, comme je vous disais tout à l'heure ici avec ces deux cartes qui étaient en coupe. La lune, quant à elle, vient vous parler d'intuition, elle vient parler d'émotion et d'illusion. Cette lune, elle peut vous indiquer une certaine également
confusion. Vous pourriez être confus face à certaines choses, face à certains événements, à certaines pensées ou des choses qui se passent devant vous. Je ne sais pas, vous pourriez être confus. Peut-être qu'elle vient ici vous dire qu'il faut tout simplement écouter votre intuition et aller au plus profond de vous, surtout avec cette reine d'épée, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de vous. Pour moi ici, il y a une situation qui va se terminer et vous allez être amené finalement à avoir de la réflexion pour aller vers une certaine stabilité. La stabilité émotionnelle, vous l'avez puisque vous avez la reine d'épée, mais par contre, peut-être que vous avez encore des doutes. Mais aujourd'hui, on vous dit de vous relever, ces doutes vont s'estomper. On voit même qu'il y a un cadeau qui pourrait venir à vous avec cette lune ici, parce que la lune, on peut parler de cadeau également. Donc, on voit que vous allez vers quelque chose qui va vous plaire. Aujourd'hui, vous êtes confus, il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez avoir des révélations. La lune annonce un nouveau jour, elle aussi. La mort annonce un nouveau jour, donc il y a quand même quelque chose qui arrive, une renaissance. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans l'espoir aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi vous attendre, j'ai bien l'impression, mais on va vous dire de garder la tête haute, d'avoir l'énergie de cette reine d'épée, d'avoir la patience, la persévérance pour aller vers ce que vous souhaitez, vers votre réalisation. La papesse, elle, va vous parler de faire le bilan, de faire le bilan de sa vie. Elle vient ici parler également d'intuition par rapport à des choses peut-être qui sont cachées. Elle va vous dire qu'il va falloir vous écouter. Il va falloir aller à l'intérieur de vous-même pour écouter ce que vous souhaitez. L'as de denier, c'est un très bel as parce que c'est également un as qui va parler donc de commencement. Cet as de denier vous parle d'opportunités financières ici et il va vous indiquer que vous allez aller vers quelque chose vraiment de bon pour vous, vers un succès et voire même un succès financier. Quoi qu'il en soit, c'est un succès qui vous convient parce que c'est un succès qui est relatif à l'environnement. Donc la matière, les finances. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et donc c'est comme un renouveau là aussi. Ce 3 de denier est bien confirmé parce qu'en fait, il vient dire qu'il va y avoir une réalisation de projet. J'aime beaucoup comparer cette carte à un moteur, comme si quelque chose se lançait et hop, ça y est, ça démarre, on y va. Et donc effectivement, on voit qu'il y a quelque chose ici d'intéressant à nouveau parce que on voit que vous allez tout faire pour atteindre vos objectifs. Vous avez la réflexion, vous regardez, vous faites le bilan, vous vous penchez peut-être également sur des choses du passé pour aller vers un renouveau, quelque chose que vous allez développer. Ou peut-être que vous n'avez pas grand-chose aujourd'hui, peut-être juste un sou en poche, comme on dirait, mais en tout cas, vous allez savoir le développer, surtout que ici, vous avez cette tasse de denier. Pardon, vous avez ce 7 de denier. Ce 7 de denier ici qui va vous parler de patience. Il va vous parler de persévérance et il va vous parler de progrès. Il vient ici vous dire d'être vraiment à la hauteur de vos ambitions. Vous allez pouvoir récolter, vous allez réussir, même si c'est dur, et bien même si les résultats n'arrivent pas tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui se développe ici et vous allez vers le 7. Le 7 de denier, c'est quand même la récolte. C'est un petit peu la saison de l'automne où on récolte les fruits que l'on a semés. Donc c'est très beau. Et en plus, avec ce 8 de denier qui est là, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, quelque chose qui est en pleine croissance, parce que le 8, lui, vient donc parler de travail acharné. Il dit qu'il y a vraiment une amélioration. Vous avez fait tout ce qu'il faut. On pourrait dire que c'est la carte de l'artisan. L'artisan, celui qui travaille, celui qui fait des pièces et qui arrive finalement à faire un stock pour pouvoir les vendre. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, vous allez savoir finalement stocker un savoir-faire, un savoir-être. Vous allez savoir vraiment jongler avec de nouvelles choses qui viennent à vous et vous allez savoir en profiter et développer. C'est vraiment très beau parce qu'on voit qu'il y a de la réflexion et beaucoup d'intelligence. Mais ça, c'est parce que vous faites le bilan et que vous laissez certaines choses de votre passé pour aller vers un renouveau qui se lie ici à travers ces cartes ici.
Voilà. Mais pour autant, vous ne laissez pas tomber des acquis, des expériences du passé. Vous vous en servez pour développer. Il y a beaucoup de deniers ici et c'est vraiment quelque chose qui va en croissance. Peut-être que vous allez vous organiser autrement. Peut-être que vous allez ouvrir un commerce ou que vous allez devenir auto-entrepreneur. Peut-être que vous allez changer ici de profession, de poste, d'environnement professionnel. C'est tout à fait possible parce que les cartes ici le disent. Alors, on va continuer avec le petit enchanteur. Avec les fleurs et l'éclosion ici, on va vous parler de naissance, de renaissance encore, de renouveau. On va vous parler de beauté. On va dire ici que la période est très très belle. Peut-être que vous êtes toutefois dans une période de dormance, puisque vous avez ici également la carte de l'étoile en dessous. Mais c'est comme si on vous disait que peut-être c'est une période de dormance parce que vous allez vous ouvrir petit à petit, comme finalement une ouverture à la vie, à quelque chose de nouveau. On dirait que vous êtes parti pour une nouvelle croissance. On le voit encore là avec ces deux cartes et ça représente un petit peu, je trouve, ce qu'il y avait en dessous avec les deniers. On va vous dire que ces deux cartes ensemble, eh bien, ça va rappeler l'énergie, la force, une force qui monte comme ça, comme une transformation. Le serpent, donc, comme je vous le disais, va vous dire que vous allez pouvoir canaliser une énergie avec sagesse. Ici, vraiment, on imagine ce serpent-là qui va doucement, qui glisse comme ça. Alors que les fleurs, elles, eh bien, elles offrent un moment, de renouveau, d'opportunité, de quelque chose qui est beau, qui s'épanouit, qui s'ouvre vers le ciel, vers le soleil, vers la lumière. Donc là, on voit que vous allez avancer tranquillement, doucement, avec fluidité, vers quelque chose qui vous correspond. Alors ici, avec ces cartes-là, ça me donne envie, donc évidemment, de vous parler de liberté, de vous recharger. On va vous dire ici que peut-être si vous vous mettiez dans un moment comme ça, seul, peut-être vous vous mettez en retrait pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous recharger. Une liberté rechargée, j'ai envie de dire ici. C'est comme si vous étiez dans un moment de guérison pour pouvoir en fait respirer l'air frais, respirer des situations nouvelles, comme une énergie nouvelle qui pourrait venir à vous. On a l'impression ici que vous pourriez vous libérer de certaines contraintes et que vous sentez une certaine douceur qui vient vous envahir ici. Ça me fait penser un petit peu à la douceur du vent quand on est en plein été, que l'on a vraiment trop trop chaud. Et là, on s'assoit quelque part. Et là, on a cette douceur qui vient à nous, cette bise comme ça, qui vient nous effleurer la joue et qui fait énormément de bien. On a l'impression ici que vous pourriez ressentir chaque geste, chaque chose qui pourrait justement vous apaiser, alors que vous avez peut-être auparavant eu des doutes, des choses, des contraintes, des choses comme ça, surtout avec cette énergie de reine d'épée ici, parce que la reine d'épée, si elle est arrivée là, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a subi, c'est qu'elle a traversé, c'est qu'elle a cheminé, elle a dû sauter des obstacles, elle a dû avancer coûte que coûte avec endurance, avec courage. Et là, aujourd'hui, on a la sensation que vous pouvez en fait vous recharger, reprendre un petit peu le souffle de votre vie ici, avec douceur. On voit ici que vous avez également la carte de la célébration. On va vous parler donc justement de reconnaissance par rapport à ce parcours ici que je viens de vous dire, par rapport au parcours de la Reine d'Épée. Et donc, aujourd'hui, vous êtes heureux, vous savez ce que vous avez accompli, vous pouvez le fêter. On voit également avec l'orientation que vous savez où vous allez, on voit que vous savez ce que vous voulez faire. Les chemins, quels qu'ils soient finalement, même sinueux, pourraient ne plus vous faire peur aujourd'hui. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez également de compréhension vis-à-vis de la vie. C'est tout simplement magnifique. Et vous avez la carte de l'évolution qui est votre dernière carte ici. Donc c'est comme un petit peu ce tarot dessous. On vient parler d'évolution. Alors on vient parler d'évolution parce qu'il y a quand même une liberté d'esprit. On dirait que vous vous ouvrez ici. Vous avez compris qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous allez laisser place à quelque chose finalement qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus. Vous allez le laisser derrière. Vous attendez peut-être encore, probablement, parce que vous savez que vous allez avoir des jours meilleurs. Vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir retrouver votre énergie et vous allez en plus pouvoir le fêter avec des gens que vous aimez ici.
Alors, si c'est par rapport à, je donne un exemple un peu plus concret, vous êtes dans un travail, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, eh bien, vous avez, c'était pourtant quelque chose qui vous donnait une certaine stabilité, mais il a fallu à un moment donné prendre une décision parce que ben, ça jouait sur vous, sur vos efforts, sur vos émotions, sur votre corps, ça n'allait pas. Eh bien, vous vous êtes libéré et aujourd'hui, vous savez que vous avez fait ce qu'il faut parce que vous avez les moyens de vous développer autrement. Et vous savez que ce que vous allez faire, vous allez prendre des compétences antérieures, des compétences du passé pour pouvoir en fait avancer vers quelque chose d'autre. Donc l'évolution est là. Vous ne perdez absolument pas la tête, bien au contraire, votre esprit, il est là, il est bien attaché, il est bien ancré. Et je peux vous dire que ici, vous avez vraiment tous les éléments qu'il faut pour aller vers cette belle évolution. Et vous allez le fêter. Voilà, donc si aujourd'hui vous avez cette sensation justement de malaise, de mal-être, d'être dans une nuit sans fin, eh bien dites-vous bien que vous allez vous relever, vous allez reprendre le dessus et effectivement, vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez vers votre destinée, vers votre chemin de vie à vous. Voilà. Alors, on va continuer pour vous ici avec l'oracle de la créativité. Alors, on vous dit, le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà. La reine d'épée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, vous pouvez continuer et regarder les prochaines guidances. Donc, il y en a deux. Peut-être que vous pouvez avoir d'autres messages. Mais si jamais vous souhaitez me quitter ici, je vous dis merci beaucoup. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Vous pouvez également vous abonner. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Alors, nous allons donc faire cette deuxième guidance avec le tarot spirituel des chats pour vous les béliers. Alors, le 10 d'épée, le chat pendu. Vous avez la carte du chariot, le 6 de coupe, la roue. Vous avez le 2 de bâton, le 6 de bâton, la reine d'épée. Et vous avez le monde. Donc déjà, vous avez le chariot, la roue, le chat pendu, le monde en arcane majeur. Et ça n'est pas les moindres. Donc ici, le 10 d'épée vient nous annoncer une mauvaise sensation. Alors c'est une carte qui est arrivée en coupe. Donc je pense que c'est quelque chose qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Ou qui est présent là, ou c'est maintenant. Parce qu'en général, je dis ici que c'est d'ici et maintenant. Donc c'est quelque chose que vous subissez, vous avez subi une trahison et je pense que vous n'êtes pas bien actuellement. Alors ça peut être une trahison de cœur, une trahison relationnelle ou une trahison professionnelle, je ne sais pas, puisqu'on est en général. Le chat pendu ici vient vous indiquer qu'il va falloir faire une pause parce qu'il va falloir aujourd'hui réfléchir à certaines choses de votre vie, des choses qui se sont passées et des choses qui probablement vous ont fait souffrir ici avec cette carte de trahison. Ceci dit, il y a une bonne nouvelle puisque le 10 d'épée vient quand même annoncer quelque chose d'autre, la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Donc là, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez un petit peu en retrait ou comme ça, c'est tout à fait normal, c'est un besoin que vous avez. L'autre bonne nouvelle, c'est que ici, vous avez la carte du chariot. Comme vous le savez, la carte du chariot, c'est une carte chance qui vient indiquer que vous allez reprendre votre vie en main. Et c'est assez intéressant parce que, évidemment, ça veut dire que vous allez reprendre le dessus et que vous allez laisser derrière vous des choses du passé. Vous allez faire avec, vous allez le transporter, mais vous allez avancer. Le 6 de coupe ici donc vient vous indiquer que vous allez avoir le choix. Attention à ne pas vous éparpiller et à faire un choix judicieux, un choix qui vous convient, parce que là vous allez vraiment vers une nouvelle vie. On dirait vraiment que vous avez laissé quelque chose du passé derrière et que vraiment vous voulez avancer.
Et donc, vous avez la roue de fortune ici, cette roue de fortune qui vient vous parler de changement. Elle vient également vous parler de destin, de cycle de vie. Eh bien, c'est un changement important dans votre vie et vous allez tout faire pour arriver et voir certaines vos opportunités. On dirait que vous avez décidé de ne pas, en fait, être emprunt donc d'un passé douloureux, que vous voulez le laisser sur le côté, voire derrière, parce que vous allez passer à autre chose. Certes, vous ne pourrez pas faire autrement que de le garder en vous, mais vous allez faire avec. Comme je vous le disais ici, vous allez avoir des choix. Attention à ces choix, parce que ces choix vont vous amener vers une nouvelle route. Alors, vous avez ici ce 2 de bâton qui vient, lui, également parler donc de planification et il vient parler donc d'opportunités. On dit également avec le 2 de bâton que vous allez réfléchir. Vous voyez, là, il est en train de regarder une carte. On a l'impression ici avec ce chariot qu'il est prêt à voyager vers une autre destination. Et donc, bien entendu, ça veut dire tout simplement que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre, vers un autre endroit, vers un autre travail, vers un autre amour. Je ne sais pas quelle trahison vous avez subie ici, mais quoi qu'il en soit, j'ai bien l'impression que vous êtes en phase de rupture, quelle qu'elle soit, et que vous allez aujourd'hui prendre le dessus pour n'emmener avec vous que ce qui vous convient finalement, même des moments, des désagréments du passé, vous allez faire avec et en fait, vous êtes en train, en pleine réflexion ici, de vous réfléchissez pour savoir où vous voulez aller. Donc ces cartes sont assez amusantes, donc même si ce sont des moments difficiles, on voit que vous avancez, que vous prenez sur vous avec courage, détermination et persévérance. Tel un bélier. Alors, les béliers, attention à ne pas vous entêter par rapport à certaines choses. Je pense que là, on vous recommande bien de faire face à une trahison, vraiment de la prendre en compte et du coup, donc, de vous déplacer autrement et vers autre chose, en fait. Alors, ici, vous avez également donc le 6 de bâton qui est là. Le 6 de bâton, lui, va vous parler donc de reconnaissance et de succès. Donc, on est en train de vous dire que là, vous êtes en train de faire quelque chose, de réfléchir à quelque chose, justement, qui va vous amener une certaine harmonie et un certain succès. Cette reine d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui a vécu. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut être indépendant. C'est quelqu'un qui a une grande capacité intellectuelle, mais c'est une capacité à agir. C'est une capacité également dans des situations, quelles qu'elles soient, dans des situations difficiles. Donc, on a l'impression ici que vous allez vous déplacer d'un moment de souffrance, d'un moment comme ça, fragile, pour aller comme si vous changiez de personne, comme si vous changiez également ce que vous êtes. Vous allez vous diriger vers un aspect plus, je vais dire, alors peut-être, comment dire, un aspect plus moins flexible. Voilà, vous allez devenir quelqu'un peut-être de plus décisif. On dirait que vous êtes sur le chemin de votre vie ici, que vous allez prendre conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, comme si vous alliez prendre une indépendance. Alors, en tout cas, une indépendance au niveau de votre façon d'être, de votre façon de penser, votre façon de faire peut-être aussi. Je pense que tout ça, ça réunit tout ça. Ensuite, vous avez la carte du monde. La carte du monde qui est ici. La carte du monde qui vient donc indiquer qu'il y a un achèvement, un accomplissement. Et c'est intéressant parce que cette carte vient parler également d'intégration. Donc on dit que vous allez vers votre réalisation. Et c'est magnifique parce que on voit que vous êtes passé par un moment douloureux. On voit que vous prenez la décision de prendre sur vous. Vous avez pris du recul, vous avez réfléchi, vous avez essayé de guérir, vous avez médité peut-être et vous avez compris. Donc aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose, de faire des nouveaux choix et d'aller, de tourner la roue, de tourner la roue de sa vie ici pour aller vers de nouvelles directions, se stabiliser et tout simplement, ça vous aura fait grandir, ça vous aura fait peut-être mûrir aussi. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, ça me donne l'impression que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez une guérison, une certaine force. Et je pense que aujourd'hui, vous êtes accompli finalement, puisque vous avez également la carte du monde. Voilà. Alors, on va les regarder maintenant avec donc le petit Lenormand. Non,
C'est pas le petit Normand, pardon, c'est les rêves enchantés de Le Normand. C'est assez intéressant parce que là, on va encore parler d'évolution. Il y a une chance qui va venir à vous. On dit que les dés sont joués. On dit que maintenant, c'est comme si vous aviez pris la décision et que finalement, de toute façon, c'est parti. Les dés sont joués, rien ne va plus. Et en fait, au final, on va partir sur quelque chose d'autre. Justement, le fait d'aborder la vie de cette façon va vous amener une chance. Vous allez être guidé. Vous avez la carte de l'étoile qui est sortie ici et c'est tout simplement magnifique. On peut parler ici de quelqu'un qui est rusé, ça peut être vous. Peut-être que vous reprenez justement la maîtrise d'une situation, de quelque chose qui vous avait bouleversé auparavant. Alors ça peut être au niveau professionnel, puisque le renard bien souvent parle donc de professionnel. Et donc on peut dire également que c'est au niveau familier, ou je ne sais pas, puisqu'on est en général. Donc là on voit que, eh bien, avec ruse, vous allez vous retourner, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chance qui vient à vous. Finalement, et donc vous allez sortir la tête de l'eau. Donc si vous êtes senti emprisonné, on voit qu'il y a un nouveau jour. C'est une carte très positive, la carte du puits, parce que c'est comme si vous étiez au fond du puits et que en fait on a réussi à vous ramener en haut, et on voit que on a l'impression que c'est l'aube, que c'est un nouveau jour qui arrive et que vous allez pouvoir repartir sur un nouveau jour. Ici vous avez la carte de l'alliance, la carte de l'ancrage, et vous avez la carte donc de la croix. Alors, on va vous proposer ici de vous poser à un moment donné. On va vous demander également de vous retrouver. Alors, c'est peut-être de retrouver également un pouvoir que vous aviez en vous. Il va y avoir peut-être des propositions d'association ici. Peut-être que vous allez changer de lieu parce que vous allez vous associer avec quelqu'un. Alors, il y a également la fin de quelque chose. Donc, évidemment, on peut parler de tristesse ici. On peut parler de quelqu'un qui s'en va, quelqu'un dans l'au-delà, peut-être qu'il s'est passé quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison, mais qui finalement était fatal. C'était quelque chose que l'on ne peut pas empêcher. La vie l'avait écrit, c'est comme ça. On peut parler de rupture, on peut parler d'autres choses. Voilà, donc après, à vous d'adapter, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez retrouver ici une certaine stabilité. La tristesse est en vous, vous ne l'oubliez pas, mais vous la gardez, mais vous allez savoir faire avec. Et cet événement qui s'est passé, cette douleur, en fait, encore une fois, vous rend plus fort. On va également parler de spiritualité ici. Donc, on va parler de beaucoup d'esprit, de choses comme ça. Alors, quand je parle d'esprit, je ne parle pas de fantôme, hein, je parle d'esprit spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le monde subtil, etc. Et donc voilà, après, à vous de voir encore une fois. Donc, l'énergie féminine qui revient à nouveau. On reprend grâce, on reprend ici, comment dire, son pouvoir féminin. Donc, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, ça peut être pareil. Une sensibilité qui revient, qui renaît peut-être par rapport à quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait mal et qui certainement vous a rendu parfois peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop piquant. Et donc en fait là vous reprenez en fait une énergie normale, je dirais, d'une personne qui n'est plus sous l'emprise de la souffrance. En fait c'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui sait s'adapter et se réadapte aux situations. On dirait que vraiment vous allez laisser derrière vous vraiment quelque chose de mauvais, une mauvaise expérience. Et en fait, encore une fois, je vous le dis, vous avez la carte de l'étoile et la carte de la chance, c'est à côté, c'est tout simplement magnifique. Donc surtout, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, et ayez foi aussi peut-être en des personnes qui sont autour de vous. Voilà. Bon, on va continuer avec donc Murmure de nos anges, et on va voir le message ils ont à nous dire ici. Donc pour vous, le voilà. On dit surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voilà, donc voilà pour ce deuxième tas. J'espère que cette deuxième guidance vous aura plu. Si vous voulez bien liker, si vous avez aimé, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et on va donc prendre le tarot mystique pour vous, les béliers. Guidance intemporelle pour les béliers.
pour donc vous qui avez choisi ce troisième et dernier état, on a en coupe le 4 de bâton et le 10 de bâton. Donc ici, le 4 de bâton, eh bien, on va parler de célébration. On va parler de fête, on va parler de stabilité et d'harmonie. On peut dire ici qu'il y a un moment de joie, il y a quelque chose vraiment qui fait du bien, il y a une réussite, et on peut même dire qu'on rassemble tout le monde, des personnes que l'on aime, des proches, des amis, etc. C'est une carte qui est vraiment très positive, et ici, on va vous dire que, il ne faut tout de même pas rester sur un 4 parce qu'il va falloir évoluer et aller vers le 5. On sait très bien que, il est temps de profiter en fait d'un certain travail, de fruits que vous avez ici la possibilité de récolter parce que oui, vous avez beaucoup travaillé, mais on sait aussi qu'il ne faut surtout pas rester comme ça. Ce 10 de bâton à côté, lui, eh bien, va parler d'un fardeau. On voit bien que vous avez ici comme des passions ou quelque chose qui vient et qui vous charge. Alors, ça peut être aussi des responsabilités, ça peut être du stress ou ça peut être des gens, une famille. Enfin, bref, il y a quelque chose ici qui vous pèse, il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas. Donc, on dit que vous n'avez pas les épaules assez larges pour certaines choses ici et qu'il va falloir essayer de déléguer ici ou bien de vous libérer de certaines choses pour vous soulager. Il y a une énorme pression et cette pression, il va falloir évidemment en prendre conscience et il va falloir la dégager. Donc ici, avec ces deux cartes, eh bien, on va vous dire que vous avez très certainement travaillé dur pour atteindre une certaine stabilité et harmonie. Mais maintenant, eh bien, il va falloir peut-être essayer de ralentir et essayer donc de vous détacher de certaines donc responsabilités. Eh bien, ou responsabilités, ou tâches, ou voire même passions. Et là, on va vous dire qu'il va vraiment falloir trouver un équilibre entre le professionnel, peut-être, la vie privée, ou alors c'est peut-être dans une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, ici, si vous voulez, en fait, ici, aller vraiment dans le succès que vous avez, parce que vous l'avez, puisque vous avez ce 4 de bâton, il va vraiment falloir aujourd'hui gérer certaines choses qui vous pèsent. Voilà, il est peut-être temps, évidemment, de faire de l'ordre, du ménage dans votre vie, dans les personnes qui vous entourent, ou tout simplement une charge de travail qui est trop importante pour vous. Donc, il va peut-être falloir déléguer. Alors ici, le 8 de bâton va vous parler de s'envoler avec légèreté. On va parler ici toutefois donc de mouvement, on va parler de progrès. On peut dire que vous allez avancer rapidement vers quelque chose qui se développe ici. Et donc, c'est un petit peu ce qu'il y a en vous. Ça, on va dire que ça, c'est à la surface et ça, c'est ce qui est en vous et ce que vous pourriez mettre en place pour améliorer certaines choses ou des choses qui vont pas. En tout cas, on va mettre le doigt dessus. Donc, le 8 de bâton, on voit que vous avancez, que vous vous élevez, vous allez vers quelque chose de beau, vers vos objectifs et rapidement et peut-être même avec allégresse et facilité. C'est pour ça que c'est surprenant d'avoir ce 10 de bâton ici, mais on va essayer de comprendre. Ensuite, vous avez le 10 de denier qui vient appeler ici, qui vient parler, lui, d'abondance. On est dans la fin d'un cycle. On dirait que vous avez réussi quelque chose. Vous avez atteint une certaine sécurité. Vous avez atteint un certain succès familial. Vous le savez. Vous êtes dans quelque chose qui vous convient. Vous pouvez le regarder. C'est une carte qui est très très positive, ce 10 de denier, parce qu'on voit qu'il y a quand même un accomplissement. Et on dit ici, avec ce 10 de denier, que vous êtes vraiment dans une période de prospérité. Que vous pourriez peut-être même passer à autre chose avec ce 10. Avec la carte de la mort ici, eh bien, on va vous parler, comme vous le savez, de transformation, de renouveau. Alors, bien entendu, ce n'est pas une mort physique. On va plutôt vous parler de la fin d'un cycle, surtout avec ce 10 de denier à côté. On voit que vous vous êtes envolé, qu'il y a quelque chose qui a pris et que vous êtes dans le mouvement encore, mais peut-être que ce mouvement pourrait prendre fin. Peut-être qu'il y a une charge un peu trop lourde pour vous par rapport à des choses que vous avez mises en place. Aujourd'hui, le succès est là et peut-être qu'il va falloir alléger, s'alléger. Ensuite, vous avez donc cette reine de denier qui, comme vous le savez, est une reine magnifique puisque c'est une reine donc qui est très généreuse. Elle est très bienveillante. On pourrait dire que c'est une mère. Donc, c'est une personne ici qui est souvent
Donc dans la, alors dans la prospérité, c'est la carte qui dit ça parce qu'on est dans la reine de deniers, c'est de la prospérité qu'on parle. On vient ici dire que c'est quelqu'un qui sait gérer le budget, c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui sait avoir des ressources et qui sait également faire profiter les autres. C'est quelqu'un de très généreux qui peut aider. Donc ça pourrait être vous en fait ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités, d'amour, d'aide aux autres, etc. Le roi d'épée, lui, bon, c'est un roi qui est vraiment dans l'intellect. Il a une clarté mentale incroyable. Il est dans la vérité et il a une autorité. Il a vraiment une autorité. Et donc, toutefois, on peut dire que il est comme ça avec lui-même. Hein, de toute façon, il est extrêmement exigeant. Et on va dire ici qu'il est juste. Il analyse. Il est capable de prendre des décisions, même des décisions difficiles. Mais il aura toujours le bon sens. Et donc, il décide avec discernement, en fait. Vous avez le cavalier de deniers ici qui, lui, eh bien, on va vous parler avec lui également de persévérance, on va vous parler de travail acharné. Mais ça ne m'étonne pas puisque vous avez cette carte-là. Et donc, on va vous suggérer ici peut-être donc de faire des efforts méthodiques pour arriver à vos résultats. Donc là, on est à la fin. Mais pour moi, en fait, toutes ces cartes ici vont tout simplement vous dire que vous êtes dans un changement et un changement positif. De toute façon, c'est donc selon les planètes actuelles, par rapport au moment où je suis en train de faire cette guidance, eh bien on peut parler donc effectivement de croissance et de développement. Alors on va continuer avec donc maintenant les annales akashiques. Qui a envie de parler? Bon, on va les garder, hein. Avec les annales akashiques, vous avez la carte de la famille, la prise de responsabilité, la dépendance, l'ouverture de cœur, la santé, le monde subtil, l'équilibre et le cercle. Donc là, ici, avec la famille, on va vous parler de piliers. On va vous parler ici de ce qui est très important dans notre vie. La famille, c'est un soutien, c'est quelque chose qui est là, ce sont des sentiments inconditionnels. Donc c'est un sentiment d'appartenance et donc, bien entendu, c'est extrêmement important. On va donc vous dire ici de renforcer les liens familiaux. On va vous dire d'être dans des moments de partage. Alors c'est marrant parce qu'elle tombe sur le 4 de bâton et le 4 de bâton, c'est célébrer quelque chose avec ses proches et notamment avec sa famille. On va vous dire également ici de montrer de la gratitude envers des personnes qui sont là, envers vos proches. La carte du bilan, quant à elle, va vous dire que vous allez regarder dans le passé et on va vous dire ici que votre vie peut être très bénéfique. On va vous dire vraiment de vous plonger dans ce que vous avez vécu, dans des moments de réussite, dans des moments peut-être un peu plus désagréables, les échecs. On va vous dire également de faire le point sur ce que vous avez appris. C'est une carte en fait qui permet de mieux comprendre son parcours et c'est une carte en fait qui permet de se dire que aujourd'hui on en est arrivé là parce que pourquoi etc. Le pourquoi du comment en fait. Voilà. Donc c'est une carte qui est assez intéressante et donc là elle vient vous dire d'aller voir en vous, peut-être même pourquoi pas au niveau familial ce qui s'est passé, s'il y a eu des moments tendres, des moments un petit peu plus dans la discordance etc. Donc ce sont des cartes qui sont assez intéressantes et qui vont vous parler aussi de remise en question. La carte de la prise de responsabilité ici, eh bien, on va vous parler donc d'un développement personnel. Elle va dire également que il va falloir faire face à certaines choses de la vie. Vous voyez, encore une fois, on a cette sensation que elle est comme cette personne-là, elle a le poids de certaines choses, le poids de ses responsabilités sur le dos. Donc, on va dire ici que il va falloir être conscient de certaines choses qui peuvent peser et peut-être prendre des décisions pour alléger une vie qui aujourd'hui pourrait paraître lourde et compliquée. Ça peut être par rapport, encore une fois, à la famille, puisqu'on en parle. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport, sinon, à un travail. Quoi qu'il en soit, eh bien, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque chose peut-être qui vous pèse ici. La carte de la dépendance peut dire que, eh bien, vous pouvez être dépendant de différentes choses. On peut dire que c'est peut-être une dépendance peut-être psychologique par rapport à des choses de votre vie, par rapport à votre famille. Ça peut être une dépendance par rapport au travail, etc. Donc, la carte de la dépendance, donc, on peut être dépendant de beaucoup de choses, mais
mais là, on va parler surtout donc de quelque chose d'émotionnel, parce qu'on est quand même dans des liens familiaux ici. Donc, ce sont des liens avec c'est l'amour. Ça appelle l'amour cette carte ici avec le reste ici. Surtout qu'on a la carte de l'ouverture du cœur ici. Donc, on va vous dire également que, eh bien, vous pourriez peut-être, en fait, vous ouvrir davantage, peut-être laisser tomber certaines choses de travail ou quelque chose comme ça pour vous ouvrir davantage à des choses peut-être plus agréables dans la vie, ouvrir votre cœur pour aller vers des nouveaux chemins, des balades, aller dans la nature avec les personnes que vous aimez, etc. Donc, en fait, vous voyez, c'est peut-être alléger quelque chose qui vient alourdir votre vie et qui vous empêche de profiter pleinement de personnes qui sont autour de vous, des personnes que vous aimez. La carte de la santé, eh bien, va vous dire de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Elle vient vous dire qu'il va falloir donc mener une vie équilibrée. Ça ressort à nouveau, peut-être équilibrer la vie professionnelle et la vie privée ici. Donc, il va falloir peut-être aborder les choses autrement. Vous n'êtes pas, indispensable, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on a la carte du monde subtil qui ressort ici. Cette carte, c'est une carte qui va parler de l'au-delà. C'est une carte qui parle des anges, des êtres de lumière. Elle est magnifique, cette carte. Et donc, on va vous parler de vous connecter avec l'au-delà. Peut-être de prendre le temps d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, pour peut-être essayer de comprendre certaines choses, des choses peut-être un peu mystérieuses. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude donc de voir, de comprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une ouverture ici, il y a une possibilité, faire le vide pour essayer de voir les choses différemment. Alors ensuite, vous avez la carte de l'équilibre et vous avez la carte du cercle. Donc là, avec l'équilibre et le cercle, on vient vous dire à nouveau qu'il va falloir mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre tête. On vient vous dire ici tout simplement d'alléger en fait tout ceci. Ce dernier tas, on est en train de vous dire que certes, il y a une réussite, très probablement, peut-être une réussite professionnelle, hein, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui vous pèse. Donc, on va vous dire de couper avec certaines choses qu'il y a là aujourd'hui dans votre vie qui vous pèsent. Trop, c'est trop. Il faut savoir équilibrer les choses. Alors, ça peut être dans la pensée, ça peut être le travail, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui vous empêche et qui vous coupe, en fait, avec les vôtres. Donc, certes, il y a quelque chose à fêter, il y a une réussite, c'est certain. Mais il va falloir peut-être à un moment donné donc se dire qu'il n'y a pas que finalement peut-être le travail dans la vie ou la passion, mais il y a aussi votre famille qui est là, qui vous attend, ça se voit ici, qui vous aime et qui vous ouvre les bras en fait et qui voudrait partager certaines choses. J'ai vraiment cette sensation ici pour vous, pour ce troisième tas, que ce message en fait c'est ça, vous dégager pour pouvoir en fait vivre pleinement avec des proches ici. Et même pourquoi pas, vous avez ce monde subtil qui est là, on vous appelle peut-être à vous éveiller au niveau spirituel. C'est peut-être quelque chose pour vous que vous ne connaissez pas, en tout cas, ou si vous connaissez, peut-être d'approfondir ceci, de vous dégager de certaines choses du passé également, avec la carte du bilan. Je vois la carte de l'imposteur dessous, mais c'est surtout la carte du passage que je voyais. Donc, on voit bien ici que on vous dit de passer à autre chose et vous avez la carte du mouvement qui est là. Donc, qui revient, ça me fait penser à ça, là, à ce 8 de bâton. Donc, on vous dit vraiment de vous envoler. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des anges. Et on vous parle de confiance. On vous dit « Tout va fonctionner parfaitement ». Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Donc, s'il y a quelque chose qui vous pèse, alors que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit voulu ou pas, je pense que vous allez être aidé et que vous allez pouvoir, en fait, vous délivrer d'un poids. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis merci à tous. Au revoir et à très bientôt.